Et salut tout le monde, c'est Number, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Dishonored. Aujourd'hui nous devons nous rendre tout simplement chez le petit monsieur là, voilà, chez Sokolov. J'ai encore oublié son nom bien entendu. Et avant tout je vais essayer de choper le charme d'eau qui se situe pas très loin de notre position. Donc pour ça on va essayer d'y aller discretos, hein, n'est-ce pas? Zut, c'est le mauvais pouvoir, oui absolument. Voilà, là c'est bon. Normalement je peux atteindre ici. Très bien. Ok, donc la maison est vraiment pas loin et le charme d'eau est juste là à gauche. Je suppose qu'il est dans ce bâtiment-ci. Par contre, toi, je suppose que tu vas peut-être nous détecter à un moment, pardon. Et du coup, faudrait activer la vision des ténèbres pour voir où est-ce qu'il y a des gens. Visiblement, il y en a un là. Très bien. Donc le charme d'eau en question, ouais, il est juste là derrière. Donc lui, il faudra attendre qu'il se retourne. Vous pensez avoir votre propre équipe après ce qui s'est passé cette nuit, et il y a de bonnes chances. Attends, s'il te plaît. Retourne-toi, s'il te plaît. Non, tu veux pas? Ok, on va essayer quand même. Ok, donc il y a sûrement moyen qu'on passe. Non. On va passer à travers? Oh shit. Ok, nice. Ils nous ont pas repéré, ça c'est plutôt cool. Par contre, au niveau du... Ouf, il a l'air d'avoir des cadavres ici. Très bien. Ok, donc le charme d'eau est encore plus loin. Ok, je pensais que c'était plus proche que ça. Normalement, il y a moyen... zut. Mauvaise touche. Très bien. Donc ça, ça se déclenchera pas pour nous. Est-ce qu'il y a moyen qu'on revienne, du coup? Ok. Intéressant. Ok, nice. On va prendre ça. C'est toujours des sous de gagner. Facilement, qui plus est. On n'avait pas besoin de bouffe en soi. Très bien. Alors lui, il va falloir berner sa garde. Est-ce qu'on passe? Yep. Ok, nice. Bon, il y a des trucs là-bas, mais on va directement aller... Hop, l'extrémité nord. Donc, on se rapproche vraiment de chez Sokolov, là, pour le coup. Ouais, bon. Je vous laisserai lire si vous avez envie. Vous savez très bien que moi, je lis comme une merde, donc je vous laisse le faire. Hop. Très bien. Alors ici il y a quelques trucs apparemment. Est-ce qu'il y a moyen de rentrer? Ouais. Très bien. Donc je suppose que le charme d'eau, ouais, voilà, est vraiment pas loin du tout. Il y a une rune 62 mètres. Ok, on va se la faire aussi. Nice, nice, nice. Ok, ouais, donc je suppose qu'il faut monter là. Ensuite ici. Non. Si. Non. Mais il y a peut-être un moyen de monter plus facilement. Faut pas le casser ce truc. Bah comment est-ce qu'on passe avec la TP? Non, ça marche pas. Il y a moyen de passer de l'autre côté peut-être. Bon, je suppose qu'il n'y aura personne pour nous faire chier ici. C'est pas cool ça, c'est pas cool du tout, je vois pas comment y accéder. Peut
peut-être en naviguant sur... Oh, là il y a pas mal de rats. On va faire gaffe. Alors attendez. C'est... Ouais. Pourquoi pas ici? Ok. Est-ce qu'il y a moyen... Non. Ok, très bien. Donc ici il y a moyen d'y passer, je pense. Alors attendez. Peut-être qu'au pistolet. J'ai dit au pistolet. Voilà. Est-ce que des gens nous ont repérés? Pourtant, il n'y a personne aux alentours. Ok. Nice. C'était la bonne tactique. Moi, j'ai mis un petit peu longtemps à y accéder, mais c'est pas grave. Ouais, donc il y a bel et bien des gens. Pas très loin, du coup, maintenant. La base, ils y étaient un petit peu, quand même. Ok, je vois. Ok. Attendez, c'était juste en dessous? Non, vous êtes pas sérieux, j'ai fait tout cela pour rien. Bon, tant pis. Et tapis. Alors, est-ce qu'il y aurait pas moyen de berner un peu le jeu? Ouais, si, bon, pas berner le jeu, bien entendu, c'était prévu. Mais est-ce qu'il y aurait pas moyen de passer genre ici? Nice. Ouh, ils sont pas très loin. Ok. Est-ce que lui, il serait pas prisonnier par hasard? Je dirais. Ok, il y a peut-être moyen de passer en face. Il siffle la musique du jeu. Énorme. Il siffle la musique du jeu. Très bien. Alors... Hop. Ok. Donc là, c'est là où on était tout à l'heure. Ok. Ah, c'est juste là le manoir. Ah, c'est ça. D'accord. Ouh, c'est bien défendu. Ok. Et bah, passons discrètement. D'ailleurs, elle est où la fameuse rune? Ah d'accord, elle est juste dans le manoir en lui-même. Très bien. Oh, il y a une... Il y a moyen de passer là? Alors, attendez. Je vais... Petite vérification encore une fois. Ok. Ok. Comment est-ce qu'on accède? Ok, il faut monter sur le toit, je suppose. Très bien. Merde. J'ai loupé. J'ai loupé carrément. Bon, encore une fois. Je suis pas très doué là. Ok, nice. Ok. Ah, dès qu'on regarde en bas, on bouge vers le... C'est pas sérieux, ça. Sérieusement. J'ai peut-être été bloqué quelque part, je sais pas trop. Non, ils m'ont repéré. Ah d'accord, il y avait des gens là-haut, je ne les avions pas vus. Bon, bah, on va se laisser tuer. Ouais, c'est trop long, c'est trop long. Sois plus rapide, s'il te plaît. Merci. Ok, donc j'avais pas vu qu'il y avait des gens là-haut. Alors lui, il ne me voit pas. Très bien. Il est assommé, normalement. Ok. Non, c'est bon, personne ne m'a entendu. On peut sauvegarder et... On y va. Là, c'est bon. C'est passé. Ok, donc on va sauvegarder ici aussi. Tranquillement. On y va tranquillement. Ok, donc là, il y a une machine, il y a un monsieur. Est-ce que ce serait pas ce Call of, justement? Ok.
cette fois-ci, on est dedans. Ok, donc là, c'est réellement ses appartements. Il n'y a pas d'autre possibilité. Non, c'est pas J que je veux faire. C'est quoi? C'est R? Non. T? Oui, ça. Ok, ok. J'ai du mal. Ok. Bon, il y a des bouquins. Mais bon, ça, c'est pareil. Je m'en fous un petit peu maintenant. Il veut pas l'ouvrir? Ça marche pas. Oh, faut peut-être une clé, remarquez. Ok, non, c'était juste bugué. Ok. Ouais, j'espère que les gardes vont pas se faire repérer. Et j'espère qu'il y en a pas plus haut. On va quand même vérifier avant d'y aller. Oh, non. Ah, dommage. J'en ai pas besoin. Bon, par contre, ceux-là, je suppose que, ouais, c'est des carreaux étourdissants ou un truc dans le genre. Hop. C'est quoi, ça? Oh, il tank. Ok. Oh, il en a plein. c'est dégueulasse. Ok. C'est... Ah, ok, on peut pas l'utiliser. Très bien. On ramasse les sous-sous dans la popoche. Ok. What? Non, mais dites pas que j'ai fait tout ça pour rien. Oh putain, il y avait une porte juste ici. Pas sérieux. La formule 25. D'après le dernier alignement céleste, son potentiel est formidable. On va l'écouter. On va voir ce qu'il a à dire. Il m'est venu en rêve la nuit dernière. Quant au sujet numéro 312, compte tenu de sa disquamation caractéristique, elle devrait mourir demain dans la matinée. Ok, il y a des clés. Quel est le but de ma mission? Ce serait peut-être temps de le savoir. Il faut enlever Sokolov et le neutraliser sans le tuer. Très bien. Ah, vous êtes réveillé. Comment allez-vous? Ah putain, il y a une personne avec lui. Ah bah c'est justement la personne qu'on avait vue là-bas. Pitié. Il faut que je l'arrête. Je ne vais pas mourir. Tu vas pas mourir, quoi. Personne ne va mourir. Mais non, regarde, personne ne va mourir. Même toi, tu ne meurs pas. T'es-tu pas content? Ok, donc les clés de la maison, on s'en fout un petit peu. Je n'ai rien à prendre. Oui, tu n'as rien à prendre. Moi, je veux bien te laisser sortir, hein, tu sais. Merci. Qui que vous soyez. Il me gardait en cage. Comme un animal. T'es caté, bro. La douleur est insupportable. Je vais me cacher dans un coin en attendant d'aller mieux. Ouais, cache-toi. Et sors pas avant que moi je sois sorti, parce que sinon ça va être la merde. 5 runes trouvées, oh là là, mais quel beau gosse, moi je vous le dis, cet homme est fort, cet homme est beau. Oh, c'est pour récupérer des élixirs. Bon, du coup, on en a pas vraiment besoin. On peut rien récupérer ici? C'est dommage. Oh. Ok, donc il faut que je... fasse quoi en fait? Que je le ramène, c'est ça? Ok, donc tu te caches dans un coin, tu prends le premier coin que tu trouves et tu t'y caches, ouais, ok. Ok, donc voyons voir les charmes d'eau, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Ouais, donc oui, je suppose que je vais devoir ramener Sokolov, n'est-ce pas? Porter Sokolov jusqu'au bateau de Samuel sous le pont situé près de la demeure. Ok, il aurait pas pu me ramener ici dès le début, non? Non, ça aurait été beaucoup trop simple. Ok, alors attendez, où est-ce que Samuel est? Le pont, c'est quoi? C'est ça? Où t'es, Samuel? Dis-moi, STP. Parce que des demeures, il y en a pas mal, là, tu vois. Ça... Ah, chier, le repère de l'objectif. Voilà, j'avais peut-être fait une connerie tout à l'heure. Très bien, 61 mètres. Tu es en dessous. Votre propre équipe après ce qui s'est passé cette nuit. En effet, je pense. Est-ce que j'essayerai pas? Ouf, j'ai pris cher. Très, 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 très cher. Oups. Ok. Merde, désolé. Bon. Pourquoi je peux plus... Ah si, c'est bon. Ok,
Ok. On va se calmer. Putain, la musique. Fait un peu la frousse. Il va se passer des trucs. Ok. Il est pas tranquille. Ouh, attendez. J'ai peur que le sol cède là. Je sais pas si c'est vraiment possible. Oh, il y a des lingots d'or ici. Dommage, dommage. Bon, tant pis, on les récupère pas. De toute façon, il vaut mieux qu'on aille voir Samuel le plus vite possible. Attendez. En fait, s'il y a moyen que j'y aille, j'y vais. Hein. Ah shit, non, il va y avoir moyen. Gros fou, tant pis. Ouh là 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 là, ils sont vraiment pas loin. 17 mètres. Ok. What? Il m'a pas vu. Le médecin royal en personne. Quand je vous tire mon chapeau. Wouah, cette mission était... bon, sympa, franchement, vraiment sympa. Ok. Ah, oh, nice. C'est-à-dire que je peux aller piller quelques trucs. Et bah, très bien. On va essayer d'y aller sans se faire choper. Bon, par contre, là, ça va pas être... Fichier et je suis gêné. Ah mais attendez, ça ressemble énormément à là où j'étais avant. Enfin, dans le dernier épisode. Ah mais si, c'est bel et bien quelqu'un de prisonnier. C'est pas censé fonctionner. Oh nice. Ouais, en fait, pas naïf, je suis en train de tuer des innocents. Enfin, pas forcément innocents, mais ça doit être des révolutionnaires, des pro-impératrices. Mais, du coup, en voulant les libérer, ça me fait... C'était certainement un moyen, justement, de faire une diversion, mais du coup, ça... C'est pas très bénéfique pour eux, quoi, on va dire. Étant donné qu'ils meurent, absolument. Comment est-ce qu'on peut... Non, non, tu n'as rien entendu. Putain, à chaque fois, j'ai le réflexe de courir, et il faudrait pas, en fait... Comment est-ce qu'on peut passer là-dessous? Enfin, là-derrière, plutôt. Et ici, on est d'accord qu'il n'y a pas de porte ou quoi que ce... Ah, j'avais pas compris. Doucement. Oh. Ah, un coffre. La combinaison. Attendez, là il y a un coffre. Ok, et si je ferme le coffre, il y a un numéro dessus. Non, c'était une clé. Pas cool, pas cool, pas cool, les gars. Eh, hein. Vous êtes venus voler ça, je suppose. Est-ce que je peux refermer ce truc? Non. Ok. Nope. C'est exactement le même tableau qu'en bas. Et là... Oh 7, 1, 1, 1, peut-être. Ici, il est différent. Oh, merde. Oui, je suis pas très doué avec les chiffres, hein, les maths, tout ça. Ah, c'est pas la bonne combi. Ah. Et bah alors... T'as vu quelqu'un avec des symptômes? Ferme-la. 7, 1, 0. Bon, j'avoue qu'il y a 4 chiffres, mais... Pour moi, vu que c'est différent des autres, c'était peut-être pas la même chose, ça ressemble pas à la même. Est-ce qu'il y a un truc pas très loin d'ici? Bon, bah du coup j'ai pas trouvé, j'ai cherché un petit peu partout. Je suis peut-être en train de me dire qu'il fallait que j'aille voir là en bas, mais j'ai pas trop envie de croiser les gardes en fait. Et si ça se trouve, c'était les prisonniers qui avaient le numéro. Mais bon, du coup,
comme je vous le dis, pas trop envie d'aller me frotter à ces petits bâtards, j'espère, comme on les appelle. Donc du coup, on va rentrer avec Samuel. Et je pense que nous allons nous arrêter là pour cet épisode, parce qu'il fut beau et gracieux et tout ce que vous voulez, voilà. Donc en tout cas, j'espère que ce nouveau format avec quelques petits... Enfin, genre, je passe des petits moments inintéressants, vous aura intéressé. Sur ce, on se retrouve donc pour la suite. Je vais peut-être quand même laisser... je suppose qu'il va y avoir une animation. Oh, et nous gagnons de nouveaux succès. Frappe chirurgicale. Je sais pas à quoi ça correspond. On ira regarder peut-être. On peut même aller voir maintenant, hein, n'est-ce pas? Frappe chirurgicale. Qu'est-ce que c'est? Jouer la première mission jusqu'à Caldwin Bridge en tuant moins de 10 personnes. Ouh, c'est bien ça. Je sais pas combien j'ai tué de personnes en tout. Il me semble que j'en ai tué quand même. Mais c'est plutôt pas mal. Et je suis assez content. Rejouer la mission. Non. Non, j'ai pas envie de rejouer. Ça doit être sûrement la combinaison pour voir Steam. Mais c'est pas grave. Donc, charme d'os, il m'en manque un. Hein, bon, c'est pas grave. Tableau de Sokolov trouvé. Bon, du coup, j'étais pas au courant. zéro ennemi tué. KO général faible. Ça, c'est cool. Aucune victime. Fantôme. Jamais détecté. Et oui, monsieur. Le coffre de Pratchett. Bon, je suppose que c'est pas celui qu'on a pas réussi à ouvrir du coup. Mais bon, voilà. Donc, voyons voir cette. Je suppose qu'il y a une cinématique quand même. Ce serait cool. Qu'on ne se quitte pas juste comme ça, tu vois. C'est triste. Et d'ailleurs, il faut peut-être que j'appuie hein, pour continuer, n'est-ce pas? Oui. Ils ont aménagé une cellule dans l'ancien chenil. Avec des chaînes et tout. Intéressant. Ça va lui faire un choc de se réveiller dans la paille à la crotte de chien. Je me suis laissé dire qu'il avait connu pire. Comme nous tous d'ailleurs. Ouais. Bon, en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi je suis très hypé par Dishonored 2 qui va sortir dans pas très longtemps. Enfin, cette année, il me semble, normalement. Quand je dis pas très longtemps, je me suis pas trop renseigné sur les dates exactes. Mais ça m'intéresse vraiment beaucoup. Bon, je sais pas si je l'achèterai de suite. Parce que, hein, les prix, tout ça. Nous permettront de frapper le Lord Régent. Mais franchement, ça me hype. Ensuite, un peu comme Mirror's Edge Catalyst. Mais bah, du coup, pareil, je vais pas l'acheter tout de suite. Surtout qu'il est disponible que sur Origin, il me semble, du coup. Sokolov nous et a donné bah que j'ai pas envie de. Machines de guerre. Enfin, j'aimerais bien l'avoir en fait sur Steam, mais nation. Je pense que ça sera pas possible. Il paie le prix de son allégeance. Mais je vais attendre qu'il y ait quand même des soldes, un truc dans le genre. Je vais sûrement 50%. Je sais pas. Si vous voulez je sais, vous un allez un prendre peu, pour un radin, mais c'est bon. Le moment. Osef. C'est juste que, bon, j'ai tellement de jeux que j'ai pas envie de dépenser des milliers et des cents dedans. Donc, je dis, j'ai tellement de jeux, j'en ai pas tant que ça, mais bon, pour moi, ça fait déjà pas mal. Voilà, on va faire ça, hein. Oui, parce que je suppose que dormir, ça passe la journée. Et... Ouais, ça doit être ça. Dormir, ça passe la journée. J'ai de la merde. Je dis de la merde. Corvo. Ouais. Puis-je vous parler de quelque chose? Vas-y. Je du coup, je fais durer la vidéo comme un con. Au cas où la garde urbaine nous tombe dessus. C'est un appartement abandonné situé en face du bar. Ok. Personne ici ne connaît son existence, mais je pense pouvoir vous faire confiance. La clé est cachée à l'étage, sous mon lit. En cas de pépin, vous pouvez vous y abriter. Moi, c'est ce que je ferai. Ok, donc ça va nous servir pour la suite, hein, n'est-ce pas? Je suppose... Bouteille vide. Oh, me dites pas que... Oh, je sais pas, y'a pas des cons qui ont laissé des sous par terre, non, depuis la dernière fois? Non, malheureusement, non. Le pillage des zones évacuées est un crime grave, passible d'exécution sommaire. Merci. Par les officiers de la garde. Okay. Trouvez votre fierté envers un ou en bah écoutez, du coup, on va se laisser là. Oh, nice. Bon, peut-être que je l'avais pas vu, peut-être que c'était là depuis longtemps. Non, je pense qu'il doit repopper des trucs. Hein. Parce que bon, depuis le temps que je viens ici de temps en temps. Je suis en train de concevoir un nouveau type de pylône foudroyant. Il produira okay, des effets... Ok, super intéressant, mais j'en veux pas, mon pote. C'est nouveau, ça aussi, non?
J'étais jamais monté par là. Bon, bref. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour la suite. J'espère. Mais vous en faites pas, c'est les vacances, comme je le disais dans une précédente vidéo sur Far Cry. Et donc, j'aurais... Non, attendez. Non, c'était pas sur Far Cry que je disais ça. C'était sur une vidéo troll. Oui, pour mes 3000. Que du coup, j'ai perdu. Merci. Merci, YouTube. Donc sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour la suite. J'espère qu'elle vous aura plu. Ciao tout le monde, c'était Number, à plus, bye bye.